Salut tout le monde, c'est Jérôme FPS. Donc là, on est sur Motel Manager Simulator. On est sur la vidéo numéro 14. Dans cette vidéo-là, on va acheter directement une nouvelle station-service. Donc, je vais déjà regarder. On va prendre gestionnaire personnel. Lui, il va partir au nettoyage. Je vais les payer. On va faire livraison carburant. On va faire payer. Hop, voilà. Et là, il me reste 2405. On va aller dans mise à niveau et on va aller sur station-service, 1 000 $. Voilà. Et la prochaine, c'est 1 600. Donc là, normalement, on est censé en avoir deux. Donc lui, il va aller faire mon petit nettoyage. Et moi, je vais prendre sa place en attendant. Hop, on va regarder. Hop, c'est pas mal. Alors, je sais pas comment ça va se passer. Allez. Pas de carburant dans le réservoir? Ah bah ouais, ben. Pourtant, j'avais fait. Hein. Ah, il va ramener, il va ramener. Le temps qu'il branche, par contre. Ça va mettre le temps. Après, je sais pas si au bout. Bah non, là, au bout de la troisième, c'est la même, c'est 3, mais il n'y aura pas d'automatique. Allez, range-toi. Que je puisse envoyer. Ah là, c'est parti. Voilà. Hop. Good job. Nickel. On va faire lui. Ah, hop. Ouais, je vais te ranger, toi. Awesome. Voilà, donc là c'est bon. Un petit truc. Hop. Je remets mon HUD. Après, je sais pas si je mets un ouvrier dessus. Est-ce que moi je peux manipuler les stations? C'est ça. Thanks a bunch. Là il y a 8 $. Là il y a 0. Ok, d'accord. Donc là, je vais aller vérifier s'il est encore en train de faire les chambres. Ouais, je vois qu'il est en train de faire les chambres. Ouais, il est parti. Donc on va vérifier si on a possibilité de relouer ou pas. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un? Non. Chambre. J'en ai une de prête. Ok. Et j'en ai une pas prête. Okay. Bon, on va rouvrir le motel pour au moins une chambre. Alors, je vais pas vérifier si j'ai récupéré mon argent ici. Hop. Voilà, 36 $. Et je vais aller voir dans mon petite station-service. Station-service. Petite cabine téléphonique, ça fait un petit moment, j'ai pas été faire un petit tour. Ouais. Quelqu'un, il m'a demandé si quand tu tires sur le tuyau, ça l'arrache. Non. Hein. Ça le remet en place automatiquement. 97, 78. Voilà. Wow, that's quick. Ok. Alors, je vais la vider parce que je sais pas s'il va le faire. Ah non, tout est sale. Ah ouais. Voilà mon copain, tu mets pas la machine en route? Il met pas la machine en route. Ok, bah moi je vais aller voir dans les chambres en attendant et je vais le remettre à la station-service. Moi je trouve que c'est mieux de le mettre à la station-service. Alors, on va aller voir là-bas. C'était la dernière, je pense. Celle-ci, il y a mis le drap. Non, non, il n'y a pas mis de drap. Sur celle-là, il me semble. On va vérifier. Drap. J'en ai un là. Hop, hop. Hop. Ah, si, il y en avait. Ok, d'accord. Donc celle-là, elle est prête. Celle-ci, elle est prête, ouais, prête. Bah, elle doit être prête aussi toutes les deux. Hein. Ok, par contre, j'ai fait une connerie parce que maintenant j'ai un drap tout propre dans ma main.
Une fois, j'avais posé un rouleau de papier toilette là, et ben il a disparu. Un client, il me l'a pris. Je vais vérifier si les deux sont louables. C'est bon, la 4 et la 5. Donc la 4. Allez, c'est sur madame. That'll do. Là, hop. 5. Et j'ai fermé le motel pour le moment. Ah, pareil, il faut refaire des chambres, mais bon, ça coûte un bras. Hein. C'est pas si c'est 600 maintenant, je crois. Avant, c'était 500 la chambre, maintenant c'est 600 la chambre. Et en plus, ben il faut comment? Je vais jeter peut-être la poubelle en même temps. Il faut la, ben, le, tout mettre à l'intérieur et tout. Hop, c'est bon, basket. Donc pour l'instant. On va mettre un peu dans l'essence, on verra bien. Voilà. Ah, est-ce qu'il fait les deux ou pas? Ah ouais, il fait les deux. Okay. Par contre, est-ce que moi... Ah, maintenant, c'est bien, je peux l'aider. Ok, d'accord. Parce qu'il y a un moment, quand il n'y avait qu'une seule station, moi, je pouvais pas l'aider. La station, c'est comme si qu'elle était à lui. Donc ça posait un petit problème. Maintenant, non, c'est bon. Voilà. Alors, au niveau du magasin. Ah, j'ai une petite boîte que j'ai pas reçue. Celle-là, j'arrive pas à la vendre. Il faudra que je la vende sûrement au... Dès que je pourrai redémarrer le jeu. Voilà, alors une petite saleté là. Hop, voilà, elle a de l'argent. 90 dollars, ok. On va vendre des journaux. Voilà. Et cigarettes, ben non, il n'y a que les boîtes comme ça pour l'instant. Après les cigarettes, j'en ai dispo, j'en ai dans mon entrepôt. Je vais fermer parce que... Voilà. Popcorn, je crois qu'il y en a... ah si, il y a une ligne que je peux... Ok, alors il est pas vide, par contre je vais laisser là. Thank you. Ah oui, avec la dernière qui avait rien dedans. Revenu à 2000 et des brouettes. On va laisser travailler. Hein. Non, c'est un peu comme si je le paye pour rien. Hein. Ok, je vais avoir une chambre qui va être rendue à mon avis. Ou c'est une chambre à louer. C'est une chambre rendue. Là combien? 0,1. J'ai démonté la porte, je voulais l'ouvrir et j'ai démonté la porte. Alors là c'est bon, là c'est bon. C'est 5 ça? Ouais. Hop là. Il y a des moments, je peux pas le remettre à sa place, par contre, c'est un peu chiant. Comme il y a des trucs dessus. Alors, est-ce que j'ai mis des trucs sur les étagères? Drap. Ouais, c'est bon. La couverture. Ouais, j'en ai. Ouais.
Et il faut serviette. Ouais, j'en ai. Et papier toilette. J'en ai 91 et papier toilette. Je suis tranquille de ce côté-là. J'ai personne. Allez. J'ai tout relancé en nettoyage parce que je me rappelle plus. Par contre, c'est bizarre que j'ai du blanc. Hein. Pas tout le papier toilette, non. Et là. Aussi, j'ai un blanc. Allez, c'est parti pour nettoyer. J'aurais juste à le vider. Sont défoncés. Accident direct. J'ai fait démonter par deux voitures. Ouais, j'ai mon hôtel qui est fermé. Alors j'ai pas de chambre de libre à part la une. On va essayer d'ouvrir. Le problème c'est que si quand j'ouvre, à la place d'avoir un client, j'en ai 5-6. Alors que j'ai qu'une chambre de dispo. Pour le moment, on reste combien? Non, pardon, chambre. Ouais, 23, 21, 3 minutes. On a une, 3 minutes 50. Ok, d'accord. Donc, ce que je vais aller faire, c'est déjà, je vais prévoir pour le linge. Je vais aller le mettre sur étagère. Comme ça, les deux chambres, je pourrais les refaire tout de suite. Il reste 5 secondes. On va le mettre ici. Alors, je vais faire ça. Hop, je vais mettre les serviettes ensemble. Comme ça. Et comme ça, on va faire un truc. Hop, hop, hop. Voilà, les grandes, ça va là, ça va là, ça va là, ça va là. Voilà. Organisation. Voilà, nickel. Je sais pas si je peux en mettre un plus haut, non. Voilà, comme ça, dès que ça va aller, dès qu'ils vont me rendre les logements, directement tout refaire et les relouer quasi tout de suite. Alors, si elle veut une chambre, à mon avis, une heure, elle prend celle-là. 427. Elle va rentrer dans la 01. C'est bien, en plus, c'est le perso qui est blanc. J'ai quelqu'un qui arrive en plus. On va attendre. Il va attendre. Have a nice day. Voilà. Ouais, bah de toute façon, j'ai pas de chambre libre. Hein. Même de l'eau. Dans la bonne couleur, on va dire. Ouais, il me reste une 30, une 30. Donc, va falloir attendre. Excusez-moi, mais il va falloir patienter. De récupérer les sous-tout partout. Alors on est quand même à 3000, hein, c'est bien. Celle-ci, elle est louée par. Il y a un pot là. Je n'ai même pas vu. Celle-ci, elle est louée pour deux personnes, je crois, non? Il me semble qu'elle est louée pour deux personnes. Il n'y a quasi plus rien dedans. Allez, dedans. Hop. On va attendre qu'il libère.
thinks a bunch. Alors, j'ai de la pâtisserie, j'ai encore des produits. À la poubelle. J'ai encore de la nourriture. Encore des boissons. Par contre, les boissons, pour le remplir, il faut y aller. Hein. Faut acheter au moins, moi, je dirais, ouais, 4-5 cartons, facile. That was fast. 4-5 cartons. Il y a un problème, la femme a des transports. C'est bizarre. You are lightning fast. Voilà. Thanks. Ok. Alors, est-ce que j'ai des personnes qui ont libéré police? Bon, ça, j'ai pas de corps. This is crap. Oh, il y a du monde. Have je vais essayer de récupérer day. Mes chambres. Ah, j'ai pas. Too bad. Are you serious? De toute façon, j'ai pas là. Je prends le Wii combien là? On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 3 x 7. Really? Ça en fait des chambres. Ok, je récupère la numéro 4. Et lui, je crois qu'il va m'en rendre une aussi. Alors, je vais récupérer la numéro 5. L'un à côté de l'autre. Ok, 4 et 5. En plus, la 4, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Hop, il n'y a même pas de papier de toilette à mettre. Il n'y a pas utilisé le papier de toilette. Alors. Donc je dois remettre une serviette. Voilà. Un drap et une couverture. Donc, un drap, j'en ai trois. Hop. Une couverture. Voilà. Nettoyage. Alors, pareil, ils n'ont pas utilisé le... J'ai l'impression que c'est ces deux-là. Le reste, ça a l'air d'être propre. Ouais, alors, donc il me faut une serviette. Bien sûr que j'utilise tout le temps. Hop, voilà. Et il me faut un drap. Et non, une couverture. Voilà. Ah merde, c'est... Ouais. J'ai pas pu tout prendre. Non, ça lit pas, hein. Cette chambre. That is what I was looking for. Alors, j'en ai deux de libre. Enfin, j'en ai plus qu'une de libre maintenant. J'en ai plus qu'une. Je vais chercher mon dernier drap. Ah non, il faut deux lits, merde.
Je l'ai mis en demande. Je vais demander d'attendre, on verra bien. Oui. Ah, attendre une minute. Elle. Elle te peut le prendre. Thank you. Rien. Je viens à peine de sortir, j'ai déjà quelqu'un qui sonne. Ok. Oh, comment ça va gagner bien de l'argent? Avec les deux lits, je n'ai pas. C'est la numéro 7. La numéro 7, je la récupère que dans 40 minutes. Il y a déjà un double client dedans. Donc, pour le moment, on peut pas. Est-ce qu'on pourrait faire une amélioration? On va voir. Parce que j'ai quand même 4000. Ah, je vais déjà vérifier. Je vais remettre du carburant à fond. Ça sera déjà bien. Voilà. Et au niveau mise à niveau. Alors, pour l'instant, la boutique, ça m'intéresse pas. L'entrepôt, c'est pareil. La salle du personnel, c'est pareil. Les parkings, les chambres de motel. Bon, bah ça, on peut en acheter une, mais bon, pour le moment. Et ça, c'était combien? Ça, c'était 2500. En mettant ça, j'aurais plus de panne de courant. Le panneau, ben, ça fait 20% de plus de clients. Donc, j'hésite entre les deux. En fait. Et carburant, c'est 1500 aussi. Ah, écoute, on va rester sur tout ce qui est carburant, comme ça, on sera tranquille. Là, j'ai fait un complet. Je pense que même hop, livraison, carburant, on peut refaire. Il faut que j'attends qu'il me la re-remplit en fait. Parce que là, il l'a pas re-rempli. Non. Il faut que j'attends qu'il la re-remplit. Eh, c'est 2000 maintenant. 2000 de carburant. Et là, j'ai 284 litres. J'attends qu'il me le remplisse. Popularité du motel, ouais. Par contre, popularité de la boutique, je suis bien. On peut acheter notre propre camion, mais bon, je vois pas trop l'intérêt pour le moment. Et on peut placer des publicités. Allez. On peut placer des publicités. Alors, revenu par jour 35, coût 55. Ok, bon, vas-y, on est payé et obtenir une annonce. Vas-y, on va tester. Donc, j'ai payé 50, elle est censée me ramener. Hop, elle n'est pas pendue correctement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, est-ce que c'est un. Ouais, mais vous dire, ouais, j'ai peut-être pas. Bah, non, je suis con. J'ai pas le panneau. Une publicité, mais j'ai pas de panneau. Donc, je suis un peu bête en fait. Parce que là, placer une publicité dans votre motel pour générer plus la pub. Et c'est ici en réalité la publicité, c'est ça. Là, il est tout blanc et il va falloir que j'achète le panneau et que je mets une publicité dessus. Ok, d'accord. Moi, comme un con, j'ai fait ça. J'étais parti pour faire quoi, je m'en fous. Ah si, on avait regardé pour l'essence. Ah, j'ai des frises de temps en temps, c'est trop bizarre. Alors que d'habitude, j'en ai, mais une fois de temps en temps, mais là, j'en ai beaucoup, je sais pas pourquoi. Regardez, ouf. Là, carburant. 1245 pour remplir le tout. Alors, on va le faire, de toute façon, on a besoin. Il faut vraiment le remplir mieux. On n'a pas l'impression qu'il est beaucoup plus costaud. Hein. Je vois pas trop la différence. Hein. Le camion, il s'est pas roulé. Hein. Allez, on avance.
était un peu plus vite. C'est quasi la même chose, à part que celle-là est sur un camion et celle-là au sol. Allez hop, remplissage. Regardez s'il manque des trucs, mais non, ça va. En train d'acheter les journaux. That is what I was looking for. In a heartbeat. Après, je sais pas si au bout d'un certain temps, si on prend pas dans les. Si on ne prend pas sur les cabines téléphoniques, je me demande si on n'a pas de. Comment on arrive à un moment, ça va bloquer, je pense. In a heartbeat. Have a nice day. Cool. Ok. Et donc après, c'est trois stations qu'on va avoir. Ah déjà bien bien. Alors je peux embaucher par contre que 3 employés. Pour embaucher plus d'employés, bah, il faut que j'agrandisse la maison. Donc là pour l'instant 2 c'est bien. Thank you. Donc là au niveau du motel, j'ai personne qui va rendre sa chambre. Je regarde quand même. 8 minutes, là elle est repartie pour une heure, 18 minutes, donc 8 minutes et 18 minutes, c'est les plus bas. Ouais, faudra que j'essaie de racheter une chambre. C'était à combien j'avais dit, maintenant je crois que c'est 600$ pour les chambres. Ah c'est 700$. Ok, ça va être 700$ et ainsi de suite. Alors normalement le motel il va faire un U comme ça, et après on va voir les étages. Moi, ce que je voudrais faire, c'est... après, on faut voir au niveau des chambres doubles, parce qu'ils n'en demandent pas beaucoup. Peut-être faire 5-6 chambres doubles et tout le reste en chambres simples. Parce que vraiment, vraiment, ils en demandent énormément des chambres simples. Toute la ligne ici, c'est des chambres simples, jusqu'à la 6. Et la 7, c'est double. Et franchement, ça va. Par contre, il y a des... J'ai des chambres qui n'ont pas de clim. Les trois premières chambres, ils n'ont pas de clim. Tout le reste, j'avais mis des clims, c'est vrai. Même là, la clim, je l'ai mis à l'envers. Je peux pas la ramasser, parce qu'à mon avis, ils l'ont loué, donc je peux pas la ramasser. Bah, je l'ai mis à l'envers, ouais, non, on va dire. Je peux la mettre dans les deux sens. Ça pose pas de problème. Là aussi, au niveau de l'électricité, on va voir pour l'améliorer. Comme ça, après, avec ça, on n'a plus de coupure d'électricité, on sera content. Voilà, je suis dans mon magasin. Hop. Les poubelles, elles sont vides. Ouais, elles sont... Ouais, celle-là qui commence à être un peu pleine. Mais... Alors, il faudra que je fasse attention parce que maintenant qu'on remplit plus de voitures, on aura besoin de plus d'essence. Il faudra que je fasse attention. Ah ouais, il est rempli quand même assez vite. Il est rempli quand même assez vite. Thank you. A pris pour 22$. Ah vraiment, les deux, par contre, elles marchent pas du tout. Les deux dernières. Thanks.
Alors ici, on a encore des gâteaux, on a encore des trucs. Il y avait aussi les chapeaux. Ah, qu'on regarde qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre encore dans la boutique. Alors je sais qu'il y avait aussi... Ouais, il faut racheter des frigos avec, pour l'alcool. Je sais qu'on peut vendre de l'alcool. Cigarettes, j'ai fait. Produits de voiture, je suis en train de faire. Journaux, j'ai fait. Essentiel de voyage. Souvenirs, ok. Les chapeaux. Et après, c'est des étagères spéciales. Hein. Ici, c'était pour les cigarettes. Là, c'est pour pas tout. C'est la première étagère pour tout ce qui est à manger. Ça, c'est une étagère pour les voitures. Ça, ici, c'est pour les chapeaux. Et ici, c'est pour les lunettes. Après, le reste, voilà. Après, on a les réfrigérateurs. On va, pareil, il va falloir en racheter. Oh, c'est pas mal, on a des doubles. On viendra faire la bière ou même un grand comme ça. Prends un grand comme ça et tu peux acheter. On peut mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16. 16. On peut mettre 16 et j'ai combien de bières différentes? 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 5, 10, 15, 15. Donc en réalité, si j'achète un grand, je peux mettre toutes les bières dedans. Il faut regarder à combien ça va me revenir par contre. Donc, par exemple, étagère, on va dire la grande, comme ça. Elle est où? Non, c'était dans... Ah ouais, là, réfrigérateur. Ça, c'est pour les entrepôts. Et ça, c'est distributeur automatique. Alors, même ça aussi, ça a l'air d'être pas mal, distributeur automatique. Mais je sais pas qu'est-ce qu'on peut mettre dedans. On voit qu'il y en a plusieurs. Hein, mais bon. On peut peut-être mettre n'importe quoi, mais... je pense qu'on peut les mettre à l'extérieur, ça. On n'est pas obligé de les mettre dans le magasin, on peut les mettre à l'extérieur du magasin. Donc là, au niveau de l'alcool, on va dire 2. Déjà, je suis trop lourd par rapport au truc, je dois reprendre un grand camion. Voilà, et on est sur un fourgon. Ouais, un fourgon moyen, même pas, il ne passe pas. C'est un gros fourgon qu'il faut. On est à 1283. Pour pouvoir faire une grosse commande de, bah de d'alcool. Alors par contre, il faudrait que je regarde, il faudra peut-être que je bouge des trucs pour pouvoir le mettre quelque part. Bah, je regarde pour bouger ça ici. Voilà, on peut prendre l'étagère, je crois, non? Ouais. On va éviter de la mettre comme ça par contre. Voilà. Là, le frigo. Alors le frigo, ouais, par contre, ça pose problème. C'est qu'il faut débrancher un rang. Hop. Hop. Je vais te mettre là. Hop. Là, ici. Là, et là. J'ai mis quoi, la prise derrière? Non, sérieux? Je crois que j'étais con sur ce coup-là, non? You are lightning fast. Ouais. Voilà, c'est mieux. Cool. Ah, on va le mettre un peu plus comme ça. Voilà. Et après, ben ça, ça va aller là. Ça, ça va aller là. Et je regarderai si j'arrive à le mettre là. Si j'arrive pas à le mettre là, ben on essaiera de bouger des trucs et on le mettra autre part. Sinon, je le mettrai ici, hein, sur le grand pan de mur ici. Il faut juste que je vois la taille. Alors je vais l'aider un peu. Voilà. 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 C'est
Ah si, ça aussi je peux mettre. Ok, j'aurais bien voulu. Bah ouais, c'est parce que je sais pas ce qu'il faut, mais le distributeur ça m'attrime. Ah, il va me rendre une chambre. Ok. Alors, la numéro, combien tu m'as rendu toi? La 3. Allez, on va aller voir. 1, 2, 3. Tu as tout dans les salles. Ah, j'ai carrément un sac poubelle. Ok, bon. Je vais savoir viser jusqu'à là-bas. Trop loin. Oh non, dedans. Wow, magnifique. Voilà. Droit, il m'en reste un. Ouverture, il m'en reste 4. Papier toilette, bon ça il m'en reste 90. Voilà, et il me reste serviette. Voilà, j'ai une chambre de dispo. Par contre, il va falloir qu'après, par la suite, on essaie de rajouter un peu plus d'accessoires. Ou même des trucs comme des sambons, des trucs comme ça. Ouais, il va me rendre une chambre aussi. Ah bah voilà. Thanks a bunch. Merci monsieur. Hop, la 2. Alors je crois que j'ai plus de draps. Alors, je regarde, mais il me semblait que c'était mon dernier. Non lavé, on va dire. Hop. Ok. On va essayer de refaire un coup de basket. Voilà, il passait derrière carrément, j'ai vu. Voilà, alors, bon, c'est sûr que papier toilette, j'en ai. Après, serviette, j'en ai. Que ce soit des roses ou des noires, c'est pas très très grave. Par contre, ici, c'est sûr qu'il y a un truc que j'ai pas. Drap, j'en ai pas, voilà. Donc ça, je peux mettre ça, mais par contre, il faut que je cherche à tout prix. Et je pense que j'ai même pas vidé la machine à laver, c'est peut-être pour ça. Bingo. Alors, on va faire comme tout à l'heure, hein. On va mettre les draps et tout ensemble. Toi, tu vas aller là. Toi, tu vas aller ici. Bah non, moi, il est censé pouvoir aller là, mais bon. Je vais pas passer. Toi, là, toi, ici. Toi, ici. Toi, hop. Ah non, à quelques millimètres près, ça passe pas. Purée. Alors, je regarde parce que... C'était bien tout à l'heure, ça passait tout juste, c'était trop bien. Voilà, 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 toi tu vas là, toi, ben je sais même pas c'est quoi. Ok, et toi j'en ai un autre, voilà. Non. Il y en a encore deux à nettoyer. Ah, on va y aller là-bas. Et on va aller mettre le drap ici. Grand lit. Voilà. Ça, la chambre, elle est prête. Ici, j'en ai plus d'autres. Et on va pouvoir commencer à faire un nettoyage. À 1 minute 30. $25, 118, 38, 22, 37, ouais. Là, ça fait tout. Alors, par contre, on va aller voir vite fait si je dois pas les payer, eux. Parce que... Ouais, c'est mis juste derrière. Parce que sinon, ils vont plus vouloir travailler. Donc, parce que ça, il faut que je les paye. Voilà. Une fois qu'ils arrivent à 300... Bon, il travaille plus, donc faut les payer. Pour qu'ils bossent.
will do. Alors, bon, bah là, c'est bon. Hein. Bah, prochain épisode, on fera ça. Prochain épisode, on va dans livraison et on va acheter ça, l'étagère et tout. Et je sais pas, je suis intrigué pour acheter le... Alors, livraison, étagère, le distributeur automatique. 150, 150, 200. Allez, on tente un à 200. Et on verra bien. Donc là, on est à combien? On est à 1483. J'ai l'argent, j'ai 1600. Par contre, je vais regarder qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur. Je vais essayer de mettre quelque chose que j'ai jamais vendu pour le moment. Donc, livraison, on avait dit bah, la pâtisserie, on a fait cigarettes, produits voiture, bah, on a tout fait. Après, souvenirs, je pense pas qu'on pourra. Et chapeau, je pense pas. Donc, des collations, mais il faudrait que j'essaie d'en mettre des trucs que j'ai pas fait. Que j'ai pas. Celui-là, 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 celui-là et celui-là. J'ai jamais mis. Peut-être le mettre dedans. Après, je sais pas si on peut en mettre autant, mais on pourrait peut-être le mettre dedans. Donc, ça devrait être bon. On va vider la poubelle. Non, poubelle vidée. J'ai plus de voiture. Alors, ça, pareil, on a des trous maintenant. Avant, on n'en avait pas, maintenant, on a des trous. That'll do. Alors, pas beaucoup ça. Un petit nettoyage de carton. C'est bon. Est-ce que j'en ai vendu? Pour le moment, non, j'en ai pas vendu. Cigarette, ben ouais, il faudra peut-être que je vais chercher un paquet de bleus. Il manque des bleus. Là. Voilà, c'est rempli. Ah, c'est bon, là, les clients qui commencent à revenir. Un peu tout partout. Alors maintenant, pour remplir la remorque, enfin la réserve complète, c'est 2000 balles. Mais à savoir que je vends 1,50, donc ça fait quand même du bénéf. Avant, j'ai essayé de mettre plus que 1,50€, on perd trop de clients. On perd vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de clients. Alors, j'avais libéré la numéro 2, la numéro 3. Est-ce que j'ai des champs qui vont se finir ou pas? Bah, je vais rouvrir un motel, comme ça j'en ai, je peux en louer deux. 49, 16, 37, 2 minutes, il y a la 6, 18 minutes, il y aura la deux double champ. C'est pas mal, voiture. Ah, il faudrait qu'on regarde si avec tout ça on a assez pour refaire une chambre. Je pense que oui. Au moins au niveau peinture. Juste qu'on regarde. Alors toi, je peux te vider. Profite. Voilà. Alors on avait dit quoi? Ça là. Ça c'est quoi là? Je vais au-dessus. Ça. Là, tu vas là. Ça, tu vas là, ça tu vas là, et là c'est la grande. Alors ça, elle va pas, ça va y être. Voilà. Ça par contre, je sais pas, c'est une couverture aussi, mais ça, j'arrive pas à bien la placer là dessus voilà. On va laver. Je sais pas où je vais mettre le distributeur. That is awesome. Peut-être là, mais bon, c'est un peu loin, je trouve. Bon, après, on met un ici déjà. Bon, on sait qu'il passe souvent ici devant. Mettre un distributeur là. Je pense que ce serait peut-être bien.
On va faire le plein. Ah, j'allais dire merde, il bosse pas parce qu'il est à côté, il est en train de mettre de l'essence dans l'autre. Thanks a bunch. Ah, il y a le flic qui est arrivé. Il a mis un petit coup de gyrophare. Pareil, il n'y a pas de système de lavage automatique au bout d'un certain. Après non, ça va, ouais, c'est avec les ouvriers, donc on n'aura pas de système automatique. Ok, on va pouvoir louer une chambre, non? Ah si, bah tu es là, toi. Qu'est-ce que tu veux? On va prendre une chambre là et on va regarder. Une chambre avec deux lits, j'en ai pas. Are you serious? Bah ouais, mais j'en ai pas, j'en ai qu'une. Elle est déjà louée. J'en ai une pour toi si tu veux. Voilà. Lui est arrivé tout sourire, il était content. Ah, j'en ai une qui va se libérer. La 06, elle va se libérer. Ah, lui s'en va. Allez. Et monsieur, ouais, merci beaucoup. Alors de temps en temps, on en a certains, ils nous donnent des pourboires, il y en a non. Il y a des moments, ils nous donnent. Et hop. Voilà. Merde. Oh bah j'ai bien fait de l'enlever, j'ai un truc derrière. Un rouleau de papier toilette, il n'y en a plus, donc voilà. Voilà. On est parti pour rouleau de papier toilette qui est là. Serviette. Voilà. On est là pour un drap et on est là pour une couverture. Voilà, la 06 elle est déjà prête. Voilà. Salutations. La 06. Mais non, mais la 03 je peux lui donner. Avec deux lits. Ah bah, désolé, j'ai rien pour toi. Désolé. Le magasin commence à être sale. Au bout d'un certain temps, il va falloir prendre un homme de ménage ou une femme de ménage parce que à quoi ça salit tout. Voilà. J'arrivais pas à le mettre. On a un plein. Bon, allez, voilà. You are lightning fast. Oh. Ah. Ah, je vais pas avoir de bonus parce que j'ai dépassé. Alors, j'ai quelqu'un là-bas. Est-ce que c'est pour me rendre une clé ou est-ce que c'est pour prendre une chambre? Merde, c'est plus d'électricité.
Let's go. Ça se rallume. Ça aussi, c'est énorme. C'est 2500, mais bon. Alors, qu'est-ce que tu veux, toi? Ah, tu peux prendre ça là. Hein. Voilà. Et les autres, ben non, il n'y a rien. Non. Too bad. Et là, non. Give me a break. Lui, il va rentrer dedans. Normalement, ça devrait être bon. Donc ouais, il va falloir qu'on fasse ça. Et puis après, ben, il faudra qu'on essaie de racheter une ou deux chambres et les refaire au fur et à mesure. Hein, parce que de toute façon, dans tous les cas, le but, c'est de finir le jeu complet. Donc, de prendre toutes les chambres, les stations, agrandir au maximum. Ouais, hein. Un peu comme un jeu de station que j'avais fait. Et il faut que j'arrive à tout valider. Et là, comme j'achète un peu par épisode, on va dire, donc je l'achète pas tout de suite. Comme là, la machine, voilà, ça peut être un prochain épisode, les agrandissements, ça peut être des autres épisodes. Voilà. Let's go. Pour le reste de la vidéo, je crois que je vais le mettre au stockage. Comme ça, il va me remettre un peu toutes les cigarettes en stock et tout. Nous, on va gérer la station service en attendant. Voilà. Je vais devoir les payer, j'ai vu. Ah, ça, c'est pas cher, donc je vais le faire. Alors pareil, par contre, lui, je sais pas s'il me revend mes cartons ou est-ce qu'il les jette. Voilà. C'est une livraison de carburant très rapide. Voilà. En vérité, en 2000 litres, ça. Ah, ça fait que je gagne 3000 en fait. Si j'arrive à acheter 2000 de... J'achète 2000 d'essence, une fois que j'ai tout revendu, je gagne 1000. Ouais. En vendant les 2000 litres. Ah, est-ce qu'il vient ou pas? Je sais pas s'il vient pour mettre en rayon ou pas. Je vais aller voir là-bas. Non, il est là, il attend. Ah, c'est bon. Ouais, hey. Il a vu le chef. Il a vu le chef arriver, il a dit hop, 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 hop. Ah, je te surveille. Il n'y a pas mis de carton. En vérité, il fait beaucoup d'aller-retour. Je sais pas pourquoi ça. Par contre, tout ce qui est jus de pomme, j'en vends pas beaucoup. Ouais. On est bon, on est bon. Hop. That was fast.
Voilà. You are lightning fast. Wow, that's quick. Bon, ben voilà, on va se mettre en mode de comme ça, hop, et on va aller voir. Alors, toujours avant de arrêter mon jeu, on va dire, je remets toujours mon gars sur la station service. Le problème, c'est que sinon, de temps en temps, j'oublie qu'il va plus à la station service. Et donc, ben, je me retrouve avec des voitures qui sont pas contentes ou quoi que ce soit. Donc, toujours, je le fais comme ça. Là, pour l'instant, il n'y a pas de champs qui vont se vider. Le motel, il est fermé. Et dans la prochaine amélioration, on va prendre un grand frigo. On va commencer à vendre de l'alcool. Donc, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, laisser des commentaires, partager le petit pouce bleu. Et je vous dis ciao, ciao. C'était Jérôme FPS. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo là, donc n'hésitez pas à cliquer sur abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche pour avoir les prochaines notifications. Donc si vous aimez cette chaîne, vous aurez deux vidéos à votre disponibilité, soit la vidéo droite, soit la vidéo de gauche, mais si vous aimez vraiment la chaîne, il y en a énormément et il y a beaucoup de vidéos, donc n'hésitez pas à continuer à regarder cette chaîne. Je vous remercie, bonne journée.